Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ma page Facebook pour suivre cette audition d'orgue, une première dans le genre, première audition d'orgue à distance, étant donné la situation actuelle en France et même aussi chez nos voisins. Je pense notamment à mes amis italiens, mais également en Espagne, etc., où tout le monde vit des heures un petit peu difficiles. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'avais pensé faire une audition d'orgue, normalement, comme chaque dimanche de carême à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, au grand orgue historique de la cathédrale. Donc, j'avais l'habitude de donner chaque dimanche de carême, après l'audition, une audition d'orgue qui s'enchaînait d'ailleurs avec les vêpres et la messe de 18 h. Eh bien, bien sûr, depuis dimanche dernier, tout s'est arrêté et eh bien, j'ai souhaité continuer quand même à distance, alors avec les moyens du bord. Bien sûr, on n'a pas aujourd'hui le grand orgue de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Et puis, vous pouvez malheureusement pas, de toute façon, même si j'avais pu jouer l'orgue de la cathédrale, personne n'aurait pu suivre en direct, physiquement, avec moi et écouter le son de l'orgue. Alors, bien, il existe heureusement des solutions que la technique nous offre aujourd'hui pour un petit peu sortir de chez nous, finalement en étant à la maison. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui me regardent en ce moment, et d'ailleurs, je les salue toutes vraiment. Avec du fond du cœur, parce que ce sont des heures un petit peu difficiles de se retrouver un petit peu bloqué sans pouvoir se voir, mais on sent une communion quand même fraternelle entre tout le monde. Et donc ce concert en direct sur Facebook, eh bien voilà, c'est une façon de garder le lien entre nous tous, malgré la distance, malgré les événements, eh bien la musique est là quand même. Et puis nous sommes réunis finalement pour passer une petite demi-heure ensemble. Alors cet après-midi, alors bien sûr, je n'ai pas le grand orgue de la cathédrale avec moi, mais j'ai mon instrument de travail à la maison qui est doté d'un logiciel de simulation d'orgue à tuyaux. Donc ce sont des orgues qui existent réellement et qui ont été échantillonnés tuyau par tuyau. Donc, c'est-à-dire qu'on entend la sonorité d'orgue qui existe vraiment. J'ai choisi aujourd'hui, pour faire un petit peu écho à ce dimanche de l'étarré aujourd'hui, le dimanche de la joie, hein, quatrième dimanche de carême que nous avons pu suivre ce matin sur les ondes de la radio RCF. J'espère que j'aurai plus de chance que le diocèse d'Albi. Parce que il était prévu que la messe soit retransmise en direct depuis la chapelle de l'archevêché, la messe dite par notre archevêque Monseigneur Legret. Et malheureusement, la vidéo n'a pas fonctionné. Alors j'espère avoir plus de chance que Monseigneur Legret ce matin. Mais nous avons quand même pu suivre la messe en famille, finalement, dans notre salon, en écoutant la radio RCF. Donc ça, c'est juste pour faire le petit lien entre la cathédrale et les amis, les prêtres et tout ça qui, bien sûr, nous manque beaucoup. Mais place à la musique avec donc cet après-midi un programme bâti autour de la musique française des 17e et 18e siècles. Bien sûr, écho aussi et hommage à mon grand orgue de la cathédrale qui m'a bien manqué ce matin parce que, bon, c'était quand même depuis longtemps. Que à 11 h, eh bien, j'étais à la maison. Et là, cet après-midi, je devrais normalement être à la cathédrale pour écouter une conférence qui aurait dû être donnée par le père abbé d'Encalcate, et puis malheureusement, qui, bien sûr, a été annulée comme beaucoup d'autres choses. Mais place à la musique avec l'orgue qui a été enregistré, qui s'appelle, enfin, l'orgue qui a été échantillonné, c'est un orgue de Barthélemy Formentelli, et il a construit cet orgue en Italie. Au centre de l'Italie. Alors, si vous ne savez pas où c'est, ben vous prenez l'Italie, faites un point au centre, paf, c'est Rieti, c'est ici. Et donc, il a construit ce grand orgue, et je salue d'ailleurs au passage mes amis de Rieti, hein, je ne les oublie pas.
Et je ne les oublie pas et je leur dédie aussi ce concert parce qu'ils vivent aussi des moments difficiles. Donc voici de la musique avec, pour commencer, trois extraits du Miserere de Lalande. De Lalande qui était un compositeur très en vogue à Versailles. Il a d'ailleurs succédé à Lully, rapidement. Hein, c'est, voilà, Lully a fait un peu la fin du XVIIe siècle et de Lalande a fait le début du XVIIIe. Donc c'est de la musique à peu près de 1730, à peu près l'époque de l'orgue de la cathédrale d'Albi d'ailleurs. Donc on va commencer avec le premier verset, donc sur un grand plein jeu. Ensuite un dialogue sur le second verset et un cromord d'entaille sur le troisième verset. Donc trois extraits du Miserere de Lalande. Je vous souhaite une bonne audition.
après De La Lande et cette musique vraiment qui porte vraiment à la prière. Alors j'ai oublié de le préciser, mais c'était bien sûr une adaptation, hein, ça n'a pas été écrit pour l'orgue. Mais on se rend compte que d'ailleurs, De La Lande a eu des charges d'organiste, et du coup, on retrouve très bien l'esprit de la musique française dans ces motets finalement, hein, qui étaient donnés à la chapelle royale du château de Versailles. Alors on suit avec encore de la musique française et Louis-Antoine Dornel, qui n'était pas un compositeur d'orgue, bien qu'il était organiste lui aussi, mais il a écrit beaucoup de pièces de clavecin et je vais vous en jouer quelques-unes. Donc pour commencer, une allemande grave. Alors là, on fait appel à tout le grand plein jeu. Qui terminera même d'ailleurs le grand plein jeu en 32 pieds, donc dans le style de Dom Bédos, hein. Vraiment tout à fait cette époque-là. Ensuite, ce sera un rondo, une sarabande et à nouveau un rondo, dans lequel on entendra une partie du grand jeu de cet orgue vraiment magnifique, hein, de Rieti, hein, construit par Barthélemy Formentelli, le père, hein, et qui a aussi, Formentelli, a restauré le grand orgue de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Donc voici de Louis-Antoine Dornel, donc une allemande grave, ensuite un rondo qui fera appel à plusieurs sonorités, à plusieurs plans sonores. Hein, pourquoi avoir quatre claviers? Il faut avoir quatre plans sonores différents, hein, comme dans l'orchestre, avoir quatre groupes, hein, c'est un peu le principe de l'orgue, et c'est bien pratique. Donc l'allemande grave, un rondo, une sarabande, alors là on entendra le grand fond d'orgue, et on entendra une partie du grand jeu dans le rondo qui terminera la pièce de Dornel.
après Jean-Baptiste, après Louis-Antoine d'Ornel, pardon, je vous propose deux pièces tirées d'un opéra de Lully qui s'appelle Psyché. Alors, le premier air, ça sera, j'en ai fait en fait une tierce en taille. Alors ça, c'est pour en prévision de l'été et probablement des jours meilleurs, hein, si en espérant que tout soit maintenu. Et voilà, c'est un petit peu le résultat un peu du travail de l'hiver, hein, avec des transcriptions qui ont été faites, ou même là, finalement, la transcription est finalement au stade de brouillon, parce que j'utilise le conducteur d'orchestre, mais ce sera pour d'éventuels concerts cet été, notamment, je pense, notamment à la cathédrale du Zès, éventuellement également la cathédrale d'Alès, où j'aurai certainement, et j'espère, la joie d'inaugurer les travaux de relevage effectués par Michel Formentelli. Et donc, c'est tout un répertoire, voilà, qui sera probablement à l'honneur cette année, donc avec ces pièces de Lully. Alors, je vous propose deux extraits. Alors, le premier extrait, ce sera une tierce en taille, alors pour vraiment entendre toute la poésie, hein, qu'il y a, et la gravité aussi qu'il y a dans la tierce en taille, dans ce registre-là, enfin, cette sonorité, et puis dans la musique de Lully, bien sûr, qui fait un peu écho à la liturgie de ce jour, hein, quatrième dimanche de carême, l'étaré, le dimanche de la joie, hein, on voit un petit peu la lumière de Pâques, hein, c'est pour ça que on a entendu le grand jeu. Et puis, c'est un peu la lumière de Pâques qui arrive déjà, hein. Donc cette tierce en taille d'abord pour commencer, et ensuite je vous jouerai l'ouverture de Psyché, donc toujours de Lully bien sûr, et là on entendra, je vous ferai entendre le grand jeu complet de l'orgue de Rieti. Voilà, bon, c'est... voilà. On peut le reconnaître entre mille, ce grand jeu, c'est absolument extraordinaire. Et après, on terminera cette audition avec une pièce de Jean-Sébastien Bach. Donc, mais pour l'instant, voici Lully, donc un air que je vais traiter en tierce en taille, et ensuite l'ouverture de Psyché, les deux extraits d'ailleurs de l'opéra Psyché.
Et pour terminer cette petite audition, après la grande ouverture solaire hein, de Jean-Baptiste Lully, hein, qui nous donne vraiment nous donne un grand éclair de Pâques, hein, finalement, qui nous plus que nous envoyer quelques lumières de la lumière de Pâques aujourd'hui dans ce quatrième dimanche de Carême, on va revenir à quelque chose de plus priant peut-être, avec un très très beau choral de Jean-Sébastien Bach, qui est « Seigneur Jésus, je t'implore ». Alors on peut implorer le Seigneur pour que cesse cette tragique actualité hein, et que cette pandémie qui nous touche tous finalement, de près ou de loin, voilà, on prie pour effectivement les malades, on prie pour aussi ceux qui les soignent et puis toute leur famille qu'on oublie évidemment. Donc ce choral, voilà, je le dédie, voilà, tout ce personnel soignant, toutes ces personnes qui sont au service de la recherche pour essayer d'arrêter ce fléau. On peut prier également pour nos familles, prier pour les familles qu'on ne peut pas voir, hein, c'est difficile, à distance. Le téléphone existe, c'est vrai, mais ça ne remplace pas la rencontre vraie entre deux personnes. Donc je dédie cette pièce, Seigneur Jésus, je t'implore. Donc ça sera en deux temps, il y a le choral orné, je terminerai par le choral harmonisé. Une sorte de prière pour que cesse ce fléau et que malheureusement, que tous nous soyons unis face à ce désastre finalement et qu'on continue à respecter malheureusement les consignes qui nous sont données. C'est difficile, mais bon, on le voit aujourd'hui qu'il est possible de jouer quand même de la musique et de faire entendre sa musique à d'autres personnes tout en étant chacun chez soi. Donc voici ce choral, ce magnifique choral de Bach, tout à fait bien sûr approprié au temps du carême.
bien voilà, c'est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que, voilà, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou éventuellement, n'hésitez pas à commenter. Et éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner peut-être à ma page Facebook pour être au courant de toutes les différentes activités qui continueront, hein, probablement, même certainement, après cet épisode de pandémie qu'on espère bien sûr être le plus bref possible, tout en étant lucide sur les affaires. On sait très bien que ça ne se réglera pas du jour au lendemain et que malheureusement, beaucoup de familles seront tristement, eh bien, vraiment touchées par ce virus et par cette maladie qui, voilà. Donc, mais avec la musique, on essaye toujours de faire quelque chose et de donner un peu de joie, en ce dimanche d'ailleurs, de la joie, donner de la joie aux gens, même à distance. C'est toujours quelque chose de possible, bien sûr. Et alors aujourd'hui, on peut. On essaye de me donner une information, mais je ne le vois pas. C'est du direct. Hein. C'est pas. Ah oui. Ah, on me demande si je peux faire un bis. Bah pourquoi pas. Oui, je vais faire un bis. Allez, merci. Heureusement, je ne suis pas tout seul et la technique est bien assurée. Bon, je n'ai pas d'oreillette, il n'y a pas de trucage, voilà, il n'y a que l'orgue. Voilà, voilà. Donc ben, merci. Donc, je vais faire un bis. Voilà, en espérant que vous avez passé un bon moment et que ben, voilà, plus cette situation restera comme elle est aujourd'hui, bien plus. Je pense que l'opération se renouvellera probablement dimanche prochain. Voilà, tant que les choses sont comme elles sont. Alors, c'est peut-être aujourd'hui, on était à Rieti sur un orgue français. Peut-être la semaine prochaine, on aura peut-être un autre orgue, peut-être un orgue symphonique, autre chose, enfin on verra. Le programme évoluera en fonction de tout, et puis il y a plein d'idées, puis comme on a beaucoup de temps, eh ben, on peut préparer les choses bien en avance. Donc écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre, on va dire, de votre fidélité, comme on dit à la télé, mais de votre participation, même à distance, et je trouve que c'est formidable quand même d'avoir un dispositif aujourd'hui technologique qui permet de réunir sur finalement un même lieu, hein, des gens du monde entier. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations pour l'instant, mais je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de vues et plusieurs nationalités, peut-être mes amis d'Italie, de Sicile, etc., même de France. Ah oui, alors on me dit qu'il y a il y a eu 80 personnes à peu près qui regardaient. Merci. Merci du fond du cœur. Et donc, bah, un petit bis pour terminer. Alors, je pense que je vais improviser comme d'habitude. Alors là, ce qui était très pratique, c'est que, je ne sais pas si vous avez repéré, mais j'ai utilisé le combinateur. Alors, l'orgue de Rieti avec un combinateur, c'est pas la même chose qu'en vrai. Mais bon, c'est pas le même orgue non plus. Hein. Donc voilà. Donc là, bah, sans combinateur, on va essayer de faire quelque chose de correct. Allez, une petite improvisation dédiée justement à toutes ces personnes qui souffrent actuellement et de solitude, parce qu'on peut le dire aussi, quand on est tout seul et qu'on ne peut pas sortir, bah, on peut s'ennuyer rapidement. Et je pense vraiment à plusieurs personnes qui, je sais, qui souffrent de la solitude. Alors on essaye de les appeler et de prendre de leurs nouvelles et en tout cas leur redire qu'on ne les oublie pas. Thank you.
Voilà, eh bien, c'est terminé, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver le plus vite possible en vrai. Hein, parce que c'est vrai que c'est bien de se voir par les caméras et par les réseaux sociaux. Mais c'est quand même mieux de se voir en vrai. Et j'espère tous vous voir ou vous revoir très très prochainement. Hein, alors que ce soit à la cathédrale, à Albi ou même encore à Saint-Salvi, à la collégiale, hein, ou alors même en concert ailleurs. Voilà, il y a tout un périple qui était prévu pour cet été. J'espère que tout sera maintenu. Pour l'instant, on ne sait pas. On espère. Voilà. Il faut toujours avoir cette idée-là, l'espérance, et puis de voir le positif dans les épreuves qui nous sont données à vivre, et voir toujours le positif et la possibilité de voilà d'avoir l'espérance de jours meilleurs. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt, que ce soit en vrai ou par médias interposés, hein, que ce soit sur Facebook, hein, ou lors d'une autre audition peut-être en direct sur Internet. Et puis j'en profite aussi pour saluer, je sais que au cours de la semaine, j'ai fait une petite vidéo pour annoncer d'ailleurs cette audition en direct. Et je sais qu'on m'a envoyé un commentaire de la part d'un enfant que je salue d'ailleurs et qui était qui était un peu impressionné de voir finalement un organiste qui jouait de l'orgue, parce que bien sûr on imagine toujours l'organiste alors il y en a, hein, mais des organistes un peu, on va dire, vieillissants, voilà, un peu voilà, bon, c'est toujours le voilà, mais il n'y a pas que ça. Et puis, peut-être si parmi vos familles, il y a des enfants qui éventuellement s'ennuient, hein, je ne sais pas, peut-être que je proposerai une autre vidéo, peut-être au cours de la semaine, à destination des enfants, et même des curieux, hein, qui ne connaissent pas l'orgue, qui ne savent pas ce qu'est l'orgue. Donc, n'hésitez pas vous suivez la page, hein, où vous venez voir de temps en temps. Mais il est possible qu'il y ait des nouvelles choses qui soient mises en ligne au cours de cette semaine. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je remercie tous ceux qui ont permis finalement que cette audition en direct soit possible. Notamment mon épouse qui était à la technique, qui a appuyé, enfin qui m'a donné les instructions, hein, comme voilà, pour parce que bon, il n'y a pas de trucage et c'est vraiment du direct, on n'a pas enregistré ça au préalable. Et voilà, donc c'était une grande joie pour moi d'ailleurs de quand même faire un peu de musique et de réunir finalement quelque chose qui n'aurait pas eu lieu, parce que si si les choses avaient été telles qu'elles étaient écrites, c'est-à-dire que cet après-midi, je devrais être à la cathédrale, d'ailleurs à Albi, mais beaucoup d'entre vous n'auraient pas entendu le concert. Donc, voilà, c'était une manière. Alors, ce n'est pas les conditions les plus idéales. Hein. J'ai fait avec les moyens du bord, avec les câbles que j'avais, les connexions que j'avais. Hein. Alors, c'est pas parfait. Ça pourrait être bien supérieur, j'en suis sûr. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour une autre session, peut-être une autre audition d'orgue. Et peut-être, voilà, si vous avez parmi vos familles des enfants qui souhaiteraient découvrir l'orgue ou même des curieux, vous mettez un petit commentaire ou un petit message et puis on organisera quelque chose dans les jours qui viennent. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et voilà, tâchez de rester le plus à l'abri des contaminations diverses. Merci, bonne soirée et à bientôt.